bonsoir où que vous soyez et bienvenue à la suite et fin de nos entretiens sur un empereur, son épouse et un prince. Les fois passées, nous nous étions intéressés à l'empereur François-Joseph de Habsbourg-Lorraine, empereur d'Autriche et roi de Hongrie, et à son fils, le prince héritier Rodolphe. Aujourd'hui, je vous propose de nous concentrer sur l'impératrice Elisabeth, l'épouse de François-Joseph et la mère de Rodolphe. Elisabeth a fait l'objet de nombreux livres, d'autant de films et de documentaires. Mais aujourd'hui, comme les fois précédentes, nous ne nous poserons pas en historien. Ce que nous vous proposons, c'est d'essayer de mieux cerner la personnalité, d'ailleurs assez complexe, d'Elisabeth en sollicitant les témoignages de personnes qui ont été des proches de l'impératrice et ont même parfois partagé son quotidien. Comme vous le verrez, comme vous l'entendrez, les opinions sont parfois différentes et même très divergentes, mais c'est aussi ce qui fait leur intérêt. Avant de donner la parole au journaliste qui conduira à ces entretiens, je voudrais faire un petit rappel historique sur l'impératrice. Elisabeth, donc, naît duchesse de Wittelsbach le 24 décembre 1837 à Munich. Elle est le quatrième enfant du duc Maximilien en Bavière et de son épouse Ludovica, qui était aussi la sœur de l'archiduchesse Sophie, la mère de François-Joseph. Le duc est un homme assez fantasque qui mène une vie bohème. Il fréquente peu et à contre-cœur la cour royale de Bavière et préfère de loin la compagnie de gens simples. Mais que l'on ne s'y trompe pas, cela ne veut pas dire que c'est un homme sans éducation. Au contraire, c'est quelqu'un d'érudit, qui voyage beaucoup, mais en cela, il va aussi beaucoup délaisser ses enfants. Elisabeth et ses frères et sœurs vont donc passer une enfance sans grande contrainte entre Munich et puis la résidence d'été de la famille à Possenhofen. Mais quand elle a 15 ans, le cousin d'Elisabeth, François-Joseph, va tomber éperdument amoureux d'elle et va la demander en mariage. Elle a 16 ans lorsqu'elle épouse François-Joseph. Elle en a 17 lorsque naît leur première fille, Sophie, qui mourra malheureusement à l'âge de 3 ans, ce qui sera d'ailleurs un très grand traumatisme pour Elisabeth. Elisabeth a 18 ans à la naissance de leur deuxième fille, Gisela, que vous voyez entre sa mère et sa grand-mère. Elle a 20 ans lorsque naît Rodolphe, le petit garçon que vous voyez sur les genoux de sa mère, le seul garçon d'ailleurs du couple impérial et donc l'héritier du trône. Il y aura ensuite un intervalle de 10 ans avant l'arrivée de la cadette Marie-Valérie. Mais très vite, Elisabeth va faire un rejet quasiment pathologique de la cour de Vienne et de tout ce qui est attaché à cette cour, ainsi que à ses contraintes et à ses obligations d'impératrice. Par contre, elle va tomber amoureuse de la Hongrie, dont elle apprendra la langue, dont elle défendra aussi la cause et où elle passera beaucoup de temps. Elle s'éloignera de plus en plus souvent et de plus en plus longtemps de Vienne, de la cour et de sa famille. Elle voyagera à travers l'Europe et c'est au cours d'un de ses voyages à Genève qu'elle va tomber en 1898 à l'âge de 61 ans sous le coup de couteau d'un anarchiste italien. Je vous laisse maintenant en compagnie de notre journaliste qui va donc mener les entretiens avec ses témoins qui ont bien voulu nous faire quelques confidences. Le premier sujet que j'aimerais aborder et la très grande beauté de l'impératrice Elisabeth. Notre première intervenante aujourd'hui est la comtesse Wallersee-Larisch. Madame la comtesse, vous étiez la nièce de l'impératrice Elisabeth, fille de son frère Louis-Guillaume en Bavière, qui avait fait un mariage morganatique en épousant une actrice. Malgré l'anoblissement de votre mère en baronne de Valorzé, il vous était difficile de fréquenter la cour du fait de vos origines. L'impératrice, votre tante, vous a cependant pris sous son aile protectrice. Était-elle aussi belle qu'on le disait ? Je me doute bien que l'on a dû vous raconter quelques horreurs sur moi, notamment en raison de l'affaire Mayerling, sur laquelle j'espère pouvoir revenir. Si vous lisez mes autobiographies, vous verrez d'ailleurs que les choses sont moins simples qu'il n'y paraît, que ma tante, l'impératrice Elisabeth, a bien voulu le faire croire. Mais je dois avouer d'entrée de jeu que quoi qu'on ait dit et écrit sur ma tante, tous ceux qui l'ont approchée louaient sa grande beauté et son charme. Je me souviens avoir pensé, lorsque j'étais adolescente et qu'elle était dans la plénitude de sa beauté, qu'elle ressemblait à une fille du soleil ou une déesse, une Artémise, belle, froide et arrogante. Son seul défaut physique était sa dentition, si bien qu'elle parlait toujours à voix basse, en pinçant les lèvres, et mettait même un mouchoir devant sa bouche pour cacher ses dents. Difficile souvent de la comprendre et personne n'osait lui demander de répéter. Que ne faisait-elle pas pour entretenir sa beauté? En effet, une chose m'avait frappée lorsque nous sommes devenus intimes, à savoir la passion absorbante de ma tante pour sa beauté. Elle lui vouait un véritable culte. La vue de son corps parfait lui donnait une véritable jouissance esthétique. Tout ce qui pouvait altérer cette perfection la rebutait. Et elle me dit un jour, avec une franchise presque douloureuse, combien elle détestait les maternités qui avaient temporairement altéré la symétrie de ses formes. « Ah !» s'exclamait-elle. « Qu'il est horrible de vieillir, de sentir la main du temps sur son corps. » Mais quoi qu'il en soit, l'impératrice me fascinait. Et avec le tact infini dont elle savait faire preuve, elle était parvenue à me donner confiance en moi. Elle semblait si compréhensive que j'aurais volontiers donné ma vie pour elle. Merci, Madame la Comtesse. Notre deuxième intervenante est la Comtesse Marie Festetics. Vous étiez, madame, une des dames d'honneur hongroises de l'impératrice, mais également une grande admiratrice. Je suis entrée au service de Sa Majesté Elisabeth d'Autriche en 1872. Elle avait alors 35 ans. Elle m'a fait appeler auprès d'elle en raison de son amour pour la Hongrie. Mais elle voulait aussi contrebalancer la présence autour d'elle de personnes de la cour de Vienne, car elle pensait que ces dames l'espionnaient plutôt qu'elles ne la servaient. Je l'ai accompagnée dans ses voyages jusqu'en 1883, tout en restant à son service jusqu'à sa mort. Ce que je peux vous dire, c'est qu'Elisabeth était l'incarnation de l'idée de la grâce. C'était une impératrice, de la tête aux pieds, une femme royale, raffinée en tout point, d'un charme infini. Lors du mariage de sa fille Gisela, qui avait 16 ans, l'impératrice, qui en avait 35, avait éclipsé tout le monde. Merci beaucoup, Madame la Comtesse. Notre troisième témoin est la Comtesse Irma Sztáray. Madame, vous êtes entrée au service de l'impératrice Elisabeth en 1894 en qualité de dame d'honneur chargée de l'accompagner dans ses cures et ses voyages en Méditerranée. Vous vous êtes acquitté de cette tâche jusqu'au 10 septembre 1898, jour où Elisabeth fut poignardée à Genève par un anarchiste italien. L'impératrice que vous avez connue était une femme vieillissante et qui ne se laissait plus photographier depuis longtemps. Son charme opérait-il toujours? En 1894, lorsque j'étais appelée auprès de l'impératrice, j'avais alors 30 ans et elle 57. Et c'est moi qui eus le triste privilège d'être à ses côtés lorsqu'elle fut assassinée à Genève en 1898. Lorsque son regard, dans lequel se lisait la tristesse, se posa pour la première fois sur moi, j'eus l'impression de tomber sous le charme d'un être surnaturel. Quelque chose en elle me fascinait. Je devinais très vite la force de son ascendant sur les autres, avec ses yeux qui, quel que fût l'endroit vers lequel il se tournait, réfléchissait toujours la lumière, ce maintien majestueux et la douceur féminine de ses gestes. Merci à vous. J'aimerais maintenant aborder la question de la personnalité de l'impératrice. Madame l'archiduchesse de Habsbourg-Toscane, Elisabeth était votre mère et vous avez été très proche. Voulez-vous nous en parler? Volontiers. Je suis la fille cadette du couple impérial. Je suis née en 1868 à Budapest. On m'a souvent appelée de ce fait l'enfant de la Hongrie. Et les méchantes langues ont même laissé courir le bruit que je n'étais pas la fille de l'empereur. Mais il vous suffit de regarder mon portrait pour vous en persuader. Je suis une Habsbourg. De ces 4 enfants, je suis la seule que l'impératrice a désirée et élevée elle-même. À 22 ans, j'ai épousé mon cousin, François Salvatore de Habsbourg-Toscane. J'ai fondé ma propre famille et, pour ainsi dire, coupé le cordon ombilical, tout en restant proche de ma mère. Elisabeth disait que j'étais la seule qui la comprenait, qu'elle n'aimait que moi et qu'on n'aime ainsi qu'une seule fois dans la vie, en n'attendant rien de l'autre. Cet amour exclusif et les inquiétudes exagérées et infondées qui l'accompagnaient me pesaient souvent, comme une charge dont je ne pouvais me défaire. Nos relations n'ont jamais été aussi bienfaisantes pour nous deux et pleine d'une confiance sans retenue que lors de mes fiançailles. Pourtant, maman m'avait dit alors que lorsque je me marierais, elle ne serait plus jamais heureuse de me voir. Elle était comme certains de ces animaux qui quittent leurs petits aussitôt que quelqu'un les touche. Merci, madame l'archiduchesse. On dit qu'Elisabeth avait une personnalité complexe. Madame la comtesse Festetics, que pourriez-vous nous dire à ce sujet? Elisabeth n'était pas quelqu'un de banal. On trouvait tout en elle, mais comme dans un musée en désordre, de véritables trésors qui ne sont pas mis en valeur. Et elle non plus ne savait qu'en faire. Quel dommage qu'elle ait gaspillé tout son temps en rumination et qu'elle n'ait absolument rien eu à faire. Elle voulait toujours aller au fond des choses et avait tendance à tout compliquer. Il aurait fallu une occupation, une position, et comme la seule qu'elle aurait pu avoir était contraire à sa nature, tout en elle était resté en friche. Elle n'a pas suffisamment apprécié sa position d'impératrice. Elle n'a pas saisi ce qu'il y avait de beau et de sublime parce que personne ne lui avait montré. Elle n'en percevait que les ombres les plus froides. Elle ne voyait pas les lumières. Merci infiniment. Madame la comtesse Wallersee-Larisch, voulez-vous intervenir sur ce point? Oui, bien sûr. Il était très difficile de connaître les vrais sentiments de l'impératrice. Et j'ai toujours eu l'impression qu'elle ne disait jamais ce qu'elle pensait vraiment. Elle pouvait être très gentille, et tant que les gens ne l'offensaient pas, elle était d'une grande générosité avec eux. Mais elle détestait la flatterie. De même qu'elle exécrait la pompe de la cour et toutes les cérémonies. Mais il y avait aussi des côtés négatifs de sa personnalité. Ainsi, lorsque je lui ai un jour reproché de m'avoir sacrifié pour satisfaire ses intérêts personnels, je veux parler de mon mariage arrangé, elle m'a répondu qu'elle ne pouvait s'empêcher d'être égoïste. Cela venait de son éducation. Les gens se mettent à ma disposition, pourquoi ne pourrais-je pas me servir d'eux ? Son égoïsme ne s'étendait pas uniquement aux gens de son entourage. Le comte Franz de Crenneville a dit un jour « Je n'imagine pas comment elle peut, au milieu de cette misère générale, songer à un voyage en Irlande, ni comment on peut la laisser faire. Quels résultats aurait-on obtenus en répartissant les frais de ce voyage entre les comités de secours de la monarchie? Combien de faims aurait-on apaisé? Combien de bénédictions du ciel aurait reçu une telle bienfaitrice? » Je vous remercie. Madame la comtesse Sztáray, l'impératrice vous est-elle apparue de la même manière? Comment les étrangers peuvent-ils comprendre cette souveraine? Même moi, je me trouvais souvent décontenancée par le phénomène que constituait sa personnalité. Et pourtant, j'étais tous les jours à ses côtés. Et avec passion, je prenais la peine non seulement de l'aimer et de l'admirer, mais aussi de la connaître et de la comprendre. Sa Majesté ne sympathisait qu'avec des personnes franches, sincères, et autorisait volontiers un mot déplaisant pour autant qu'il fût vrai. En outre, eu égard à ses nerfs fragiles, elle escomptait de son entourage une maîtrise absolue et un calme bienfaisant. Mais si je dois citer une faiblesse d'Elisabeth, je dirais la vanité. Elle pouvait endurer la torture par pure vanité. Merci, Madame la Comtesse. Monsieur Sepps, vous avez été à l'époque journaliste, rédacteur, puis éditeur dans plusieurs journaux. Vous faisiez partie des cercles libéraux progressistes autrichiens opposés à la politique de François-Joseph et donc pas en odeur de sainteté à la cour. Mais que pouvez-vous nous dire sur l'impératrice en tant que journaliste? Bien, j'étais en rapport avec le fils de l'impératrice, le prince héritier Rodolphe, qui était comme moi un libéral, ce qui lui a valu bien des ennuis. Pour ce qui est d'Elisabeth, comme vous pouvez l'imaginer, je n'ai jamais eu de conversation avec elle. Par contre, j'ai lu le jugement de quelqu'un avec qui elle avait longuement parlé, la reine de Roumanie. Cette reine écrivait sous le pseudonyme de Carmen Silva et avait ainsi l'écriture et l'amour de la poésie en commun avec Elisabeth. Voici ce qu'elle a écrit sur l'impératrice. On a voulu soumettre une enfant des fées au supplice de l'étiquette, la faire entrer dans un moule rigide et mort. Mais une enfant des fées ne peut pas être enfermée, apprivoisée et asservie. Elle a des ailes secrètes qu'elle déploie toujours pour s'envoler quand elle trouve le monde insupportable. Elisabeth ne recherche absolument pas la reconnaissance d'un monde qu'elle méprise totalement, mais elle a en elle une immense énergie qu'il lui faut dépenser. Le trop-plein doit sortir par tous les moyens, que ce soit l'équitation, la marche à pied, les voyages ou l'écriture. Merci, Monsieur Sepps. On sait que l'impératrice Elisabeth s'est de plus en plus éloignée de Vienne et de sa cour. Madame l'archiduchesse, pouvez-vous nous expliquer les raisons de l'isolement et de la tristesse de votre mère? Ma mère me parlait parfois de sa jeunesse triste et comment sa belle-mère, l'archiduchesse Sophie, s'était interposée entre elle et papa, exigeant toujours sa confiance et les empêchant d'apprendre à se connaître et à se comprendre. Arrivée moi-même à l'âge adulte, j'en suis toutefois venue à me demander, quand je voyais maman sans aucune compensation pour remplacer le bonheur conjugal qu'elle n'avait jamais connu, s'isolant de plus en plus de ceux dont elle était proche, parce que se sentant délaissée et blessée, s'il s'agissait bien d'une prédestination, comme elle le disait. Ah, si seulement elle avait utilisé la force et la grandeur de sa nature pour lutter avec courage et opiniâtreté afin de conquérir ce bonheur. Si seulement elle avait ouvert le cœur de papa en lui manifestant amour et chaleur au lieu de se taire par une fierté mal comprise. Si seulement elle ne s'était pas imaginée avoir été trompée du fait de la première petite offense, peut-être malencontreuse, par des gens qu'elle avait aimés, alors peut-être cette grande douleur ne se serait pas doublée d'une grande amertume. À la fin des années 90, quand la force physique, dont elle était si fière, l'avait quittée, maman pleurait souvent amèrement. Elle se demandait pourquoi elle était née et à quoi servait sa vie. Le mariage est une institution absurde, se plaignait-elle. On est vendu à 15 ans et on accomplit un acte que l'on ne comprend pas et que l'on regrette pendant 30 ans, sans pouvoir y remédier. Merci, Madame l'Archiduchesse. Madame la Comtesse Festetics, quelle est votre opinion sur ce sujet? L'impératrice était très belle, mais ce que je ne trouvais pas en elle, c'était la joie de vivre. À 34 ans, lorsque je suis entrée à son service, elle était d'une placidité frappante pour son âge. Elle m'avait expliqué que si elle avait fini par vivre en ermite, c'est parce que dans le grand monde, elle avait été pourchassée, calomniée, diffamée, offensée, blessée, alors qu'elle n'avait rien fait de mal. Ce qui choquait à l'époque n'était pas tant ses idées politiques que son opposition à la cour de Vienne. En 1876, le comte Charles-Albert de Bombelle avait bien résumé la situation. On a, disait-il, entouré une bouteille de champagne, de liens toujours plus nombreux, et le bouchon a fini par sauter. Heureux que cette explosion n'ait pas eu d'autres conséquences que celles que nous constatons. Un goût immodéré des chevaux, de la chasse et du sport, ainsi qu'une existence retirée qui ne peut s'accorder convenablement aux devoirs d'une impératrice. Merci, Madame la Comtesse. Bien, venons-en maintenant à la relation d'Elisabeth avec l'empereur. Comment était-elle vraiment ? Madame l'archiduchesse, peut-être? Oui, maman ressentait dans ses relations avec papa plus d'amertume que de réconfort, du fait de leur grande différence. Ils en étaient arrivés avec le temps à ne pas pouvoir se parler de choses vraiment sérieuses. Ils se portaient mutuellement sur les nerfs. Et les frictions qui avaient toujours existé s'étaient accentuées après la mort de Rodolphe. Merci, Madame l'Archiduchesse. Madame la Comtesse Wallersee-Larisch, quelle est votre opinion sur ce sujet? La relation d'Élisabeth avec l'empereur était à la fois simple et complexe. Il faut dire tout d'abord que lorsqu'elle a découvert, encore très jeune, la liaison de François-Joseph avec une comtesse polonaise, son affection pour lui a reçu un coup dont elle ne s'est jamais remise. Je me souviens que lors des noces d'argent du couple impérial, elle s'était montrée impassible et qu'elle avait souvent fait une mine semblable à celle d'une veuve indienne qu'on mène au bûcher. Elle n'était guère indulgente avec son époux. Voici aussi ce qu'elle en a dit dans l'un de ses poèmes qu'elle a écrits et qui ont été publiés longtemps après sa mort, selon ses instructions. Je me nomme Madame Barbe Bleue. J'ai aussi un cabinet secret. Nombre de peaux y pendent gracieusement, bien propres et gentilles. Les peaux ont encore leur tête, avec des oreilles longues et grises. Les pauvres nigauds me font presque peine quand je les compte. Temple. Et voici celle de François-Joseph. Le petit pur sang, si entêté et si enjoué, en fin de compte, c'était un trésor. Malgré toutes ses tracasseries, Aussi a-t-il la place d'honneur dans mon cabinet. Merci beaucoup. Madame la comtesse Festetics, vous ne semblez pas partager ce sentiment. Pour ce qui est de la relation d'Elisabeth avec son mari, il est faux de dire qu'il l'avait ennuyée. Mais elle trouvait naturel qu'il ne prit pas part à sa vie intérieure et ne parvint pas à la suivre dans sa quête de bien plus élevé, dans ses ascensions dans les nuages, pour reprendre l'expression de l'empereur. Dans l'ensemble, je pense qu'elle le respectait et l'aimait bien, mais sûrement pas d'amour. D'ailleurs, si nous commençons à citer des poèmes, en voici un autre. Et dans la chambre, en haut, nous nous tenions, tristes à mourir. Pas de plainte, pas de reproche, nous nous étions trop aimés. La vie cruelle mettait à tes yeux des larmes secrètes. Je les vis, des pleurs qui brûlaient comme du feu, et j'en aurais pâli de douleur. Merci, Madame la Comtesse. Monsieur Eugène Ketterl, vous avez été de 1894 à 1916, un des valets de chambre de l'empereur. Vous n'avez pas été au service de l'impératrice, mais vous l'avez certainement souvent croisée. Et je crois que vous tenez à nous donner votre témoignage. Et certainement, merci beaucoup, monsieur, de me permettre de m'exprimer aussi. Dans l'imaginaire populaire, François-Joseph, c'était l'incarnation du devoir et du travail acharné, tandis qu'Elisabeth représentait plutôt l'idéal de beauté et de dignité. L'empereur, lui, c'était un pragmatique. L'impératrice, une rêveuse qui fuyait le monde. Comme vous l'avez dit justement, j'ai été appelé à la cour pour servir l'empereur en 1894. Soit 5 ans environ après la mort de Rodolphe. Je ne peux donc pas vous dire si Elisabeth avait été une bonne mère. Mais en tant qu'épouse, quelle que soit mon admiration pour elle, je dois dire qu'elle n'était pas vraiment l'épouse idéale. Et bien entendu, je ne base pas mon jugement sur tous les ragots et les écrits diffamants qui circulaient sur elle. Mais si l'on estime qu'il est du devoir d'une impératrice d'être aux côtés de son époux pour le meilleur et pour le pire, de faire passer ses propres intérêts, ses passions et ses amusements au second plan pour alléger la tâche de son époux, et, si nécessaire, de montrer quand même de l'indulgence pour ses faiblesses. Alors là, oui, Elisabeth a été une très mauvaise épouse. Bon, il est vrai que l'accueil réservé à cette petite princesse bavaroise par la cour de Vienne lors de son mariage avait été assez froid. Bon, les dames de la noblesse hongroise l'avaient alors d'autant plus acclamée et aimée. Amour d'ailleurs que l'impératrice leur a bien rendu. Mais à l'égard de l'empereur, Elisabeth ne se montrait pas très affectueuse. Elle donnait, elle donnait en fait l'impression qu'elle cherchait par tous les moyens à le blesser. Regardez, par exemple, au château impérial de Gödöllő, en Hongrie, l'empereur ne réussissait presque jamais à voir son épouse alors qu'ils habitaient sous le même toit. S'il allait dans ses appartements le matin, sans s'être fait annoncer, on lui faisait dire que Sa Majesté dormait encore. Mais c'était l'empereur tout de même. Et pourtant, vous savez quoi? Lorsque François-Joseph a reçu l'annonce de la mort d'Elisabeth, il a dit, en ma présence, et je m'en souviens encore, « Personne ne sait ce que cette femme a été pour moi. » Merci, Monsieur Ketterl. Madame la comtesse Sztáray, vous êtes celle qui a accompagné l'impératrice dans ses derniers voyages. Comment était-elle alors avec l'empereur? On a dit qu'Elisabeth ne s'entendait pas avec l'empereur. Oui, peut-être, mais il était souvent dans ses pensées, et loin de lui, elle s'inquiétait toujours à son sujet. En outre, je l'ai vue à maintes reprises mettre tout en œuvre pour lui rendre agréables les quelques jours qu'il passait avec elle dans ses séjours hors d'Autriche. Elle me dit un jour lors d'une conversation qu'elle ne voulait pas survivre à l'empereur. Elle a ajouté « J'ai supporté maints coups du destin, mais celui-là, non, je ne pourrais pas le supporter. » Merci, Madame la Comtesse. J'aimerais maintenant aborder un sujet que je sais douloureux. Savoir quelles étaient les relations de l'impératrice avec son fils Rodolphe. Madame l'archiduchesse, Rodolphe était votre frère, vous les avez souvent vus ensemble. Je pense que la relation entre maman et Rodolphe était difficile. Elle avait en particulier peur qu'il ne soit malveillant envers moi, ainsi qu'envers mon futur mari, Franz Salvatore. Je me souviens qu'elle a même une fois retardé un voyage pour ne pas me laisser à Vienne, exposée à cette malveillance de mon frère, contre laquelle, d'après elle, papa serait trop faible pour me protéger. J'ai consigné dans mon journal que le 16 décembre 1888, peu de temps avant le drame de Mayerling, maman nous avait demandé de la rejoindre dans son cabinet de toilette pour demander encore une fois à Rodolphe d'être toujours bon pour moi lorsque Franz et moi dépendrions de lui. Il a juré. Maman lui a alors fait le signe de la croix sur le front et l'a assuré de son amour. Mais à l'annonce de la mort de Rodolphe, maman s'est figée dans la douleur, certaine que c'était la prédestination qui avait joué, que c'était le sang bavarois qui était monté à la tête de son fils. Il faut dire toutefois que pendant les durs moments qui ont suivi le drame, elle a fait taire sa propre douleur pour apporter son soutien à papa. Elle disait ne pas vouloir le laisser seul, même si elle devait en devenir folle, car papa l'agaçait beaucoup. Mais il faut dire aussi que maman n'était vraiment pas facile à vivre. Avec le temps, elle s'était isolée de plus en plus. À la fin, elle était souvent très abattue. La tristesse ne la quittait plus. Tout pour elle était sombre. Elle avait retiré de sa vie les mots espoir et joie. Le passé absorbait ses pensées, le lointain avenir ses ambitions. Le présent n'était plus pour elle qu'une ombre inconsistante. En 1898, le couteau d'un anarchiste est venu effacer jusqu'à cette ombre. Merci, Madame l'archiduchesse. Monsieur Seps, vous connaissiez bien le prince héritier Rodolphe, je crois, et vous partagez d'ailleurs ses opinions. Que disait-il de sa relation avec sa mère? Bien, les conversations et échanges que j'avais avec le prince héritier portaient essentiellement sur la politique et les problèmes auxquels le pays devait faire face. Pour ce qui est de l'impératrice, voici ce que le comte Joseph Latour, précepteur de Rodolphe, m'a un jour rapporté. Rodolphe lui aurait dit à propos de sa mère. Il y a eu une époque où l'impératrice s'occupait souvent de politique. Avec succès ou non, c'est une autre histoire. Et parlait à l'empereur de choses sérieuses, avec des points de vue diamétralement opposés aux siens. Cette époque est révolue. La grande dame ne s'intéresse qu'au sport. Merci, Monsieur Seps. Madame la comtesse Festetics, vous aussi avez parfois vu l'impératrice et son fils ensemble, n'est-ce pas? J'ai déjà, à propos de Rodolphe, évoqué une scène qui s'est passée le jour de Noël 1888. Ce soir-là, l'impératrice a annoncé à Rodolphe que sa sœur Marie-Valérie allait se fiancer. Elle lui a dit espérer qu'après sa mort et celle de l'empereur, il s'occuperait toujours affectueusement de sa sœur. Le prince héritier s'est alors jeté au cou de sa mère et a éclaté en longs sanglots qu'il ne parvenait pas à apaiser. L'impératrice en a été profondément effrayée, et quand les invités sont arrivés, ils ont trouvé les membres de la famille impériale encore tout émus, les yeux gonflés de larmes. Je vous remercie. Madame la comtesse Wallersee-Larisch, vous vouliez ajouter quelque chose sur Elisabeth? Oui, effectivement. Je suis persuadée que l'on vous a aussi décrit la passion de l'impératrice pour l'équitation et, très bonne cavalière moi-même, je dois dire qu'elle excellait dans ce sport. Mais avec l'âge et des problèmes de santé, elle a dû abandonner. Elle a alors entraîné les gens de sa suite, et notamment ses dames de compagnie, dans des marches de 4 à 5 heures qu'elle faisait par tous les temps, été comme hiver, avec en plus une alimentation qui se résumait au strict nécessaire pour subsister. Et tout cela pourquoi? Pour entretenir sa beauté. Elle a fait l'objet de tant d'hommages. Elle considérait les sentiments qu'éprouvaient pour elle ses adorateurs comme un tribut tout à fait justifié à cette beauté. Mais ses enthousiasmes ne duraient jamais longtemps. Sans nul doute parce qu'elle était trop esthète pour devenir sensuelle, et l'adorateur qui ne correspondait plus à l'idéal qu'elle s'était figuré était instantanément éconduit. Car en fait, je crois qu'Elisabeth était amoureuse de l'amour, parce qu'il signifiait pour elle le feu de la vie. Si je puis, j'aimerais à cet égard vous lire encore un extrait d'un poème qu'elle a écrit. Très court, je vous rassure. Moi seule, comme une maudite, moi la reine des fées, moi seule ne trouve jamais l'âme sœur que je cherche. En vain de mon trône de lys, maintes fois je suis descendue, jamais longtemps je n'ai trouvé plaisir auprès d'un fils de la terre. Voilà qui était ma tante, du moins telle que je l'ai connue. Merci de nous avoir donné votre point de vue. Et vous, Madame la comtesse Sztáray, vous étiez avec l'impératrice lors des derniers jours de son existence. Je vous laisse donc le soin de conclure. Je vous remercie de m'offrir la possibilité de donner quelques autres précisions sur l'impératrice. Sa Majesté, telle que je l'ai connue vers la fin de sa vie, était constamment en mouvement. Elle m'a dit un jour qu'elle serait malheureuse si elle était contrainte de rester tout le temps au même endroit. Ce n'était pas une guérison qu'elle cherchait au cours de ses errances, mais un calmant, un baume sur ses blessures qu'elle savait inguérissables. On a beaucoup parlé de ses régimes. En effet, elle se pesait presque tous les jours pour vérifier si elle avait grossi et tenait à cet effet un journal avec à côté des chiffres et des commentaires et aussi des pensées. Mais elle avait une façon fantasque de se nourrir. Elle pouvait boire uniquement du lait qu'elle aimait par-dessus tout. Mais quand l'envie lui en prenait, elle pouvait aussi dîner sans écarter un plat et faire preuve d'un excellent appétit. Elle était toujours vêtue de noir, sauf pour l'anniversaire de l'empereur, fête pour laquelle elle revêtait une toilette claire. Elle avait toujours sur elle un éventail en cuir jaune avec lequel elle protégeait ses yeux du soleil et son visage des regards curieux. Pendant les 2 dernières années que j'ai passées avec l'impératrice, j'ai vu sa santé se détériorer. Un médecin avait diagnostiqué une sévère anémie. Je l'ai vue aussi affligée d'une goutte douloureuse. Plus tard, un professeur qui l'avait auscultée pour trouver la raison de ses souffrances les avait imputées à une inflammation de certains nerfs. On avait également parlé d'une insuffisance cardiaque. Elle allait de cure en cure, elle se fatiguait plus vite et avait la respiration difficile. J'aurais voulu qu'elle s'accorde davantage de repos et s'alimente avec plus de régularité, mais c'était là vouloir l'impossible. Un jour, désirant clore une conversation où le thème de la mort était venu peu à peu s'insinuer, comme cela arrivait souvent, je lui dis que l'au-delà était paix et béatitude. « Comment le savez-vous » me répondit-elle. « Personne n'en est jamais revenu. » Quand je lui affirmais que je ne craignais pas la mort, elle me répondit « Moi, je la crains. Même si je l'ai souvent souhaitée, c'est le passage qui me fait trembler. » Dieu merci pour elle, le redoutable passage qui la faisait trembler fut bref et confus. Elle avait dit la veille à la baronne de Rothschild « Je voudrais que mon âme s'envolât vers le ciel par une toute petite ouverture du cœur. » Le ciel a exaucé son vœu. Nous terminons nos entretiens sur une note plutôt triste. Je voudrais toutefois remercier tous nos intervenants qui nous ont permis de cerner un peu mieux la personnalité de l'impératrice Elisabeth. Je vous offre, avant de redonner la parole à notre présentatrice, une image de la famille impériale avant les nombreuses tragédies qui ont émaillé l'existence de Sissi. Eh bien, avant de nous quitter, pour malheureusement ce dernier entretien à propos de la famille impériale, je voudrais vous présenter les personnes qui ont été aujourd'hui derrière nos intervenants et qui les ont si bien interprétés. Je vais tous les appeler rapidement. Et vous les présentez, voilà. Eh bien, nous avons donc derrière l'archiduchesse Marie-Valérie, Anne-Gaëlle. Derrière la comtesse Wallersee-Larisch, Amélie. Derrière la comtesse Festetics, Lucie. Derrière la comtesse Sztáray, Hélène. Derrière le journaliste Maurice Seps, Michael. Derrière M. Eugène Ketterl, Jean-Philippe. Et bien sûr, je n'oublie pas notre journaliste Mathieu. Eh bien, comme je vous l'avais dit, c'est malheureusement le dernier de nos entretiens, mais nous espérons vous avoir permis de découvrir sous un autre angle ces trois grandes personnalités qui étaient François-Joseph, Rodolphe et Elisabeth, et nous vous disons à bientôt peut-être.